Bien sûr, je comprends. Ne t'en fais surtout pas. On te livre le site clé en main demain. Merci Steven, mais j'ai vraiment besoin d'une clé pour ouvrir mon site. Sacré JB, toujours le mot pour rire toi. Clé en main, ça signifie que je te livre un site professionnel, fonctionnel et surtout exceptionnel. Waouh, c'est ça qu'il me faut. Mais dis-moi, ça va me coûter combien? Pour toi, presque rien, mon petit JB. Environ 4 529 €. D'après mes calculs. Ça me semble pas très amical comme tarif, mais si je vends la voiture de ma mère et la moto de mon tonton, alors... Hé, hey, qui me parle? Hé, hey, JB, c'est moi, tête d'enclume. T'allais encore te faire rouler dans le fumier, à ce que je vois. Non, enfin, je pense pas. Mais évidemment, t'as toujours pas compris qu'il faut rien lui acheter à ce vautour. Ah, bon... Vous voulez créer votre site web et vous vous demandez combien ça coûte. Vous vous demandez si vous feriez mieux de contacter un prestataire ou si ça serait pas mieux de le créer par vous-même. Vous avez entendu dire qu'il fallait débourser plusieurs centaines ou milliers d'euros pour faire développer votre site. Mais on vous a aussi dit que des solutions gratuites existent. Ah bon? Pourquoi les prix fluctuent-ils autant? Quelle est la meilleure solution pour votre projet? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Jordan Bracco, web entrepreneur et business coach. Vous regardez un nouvel épisode de 7 minutes focus. Et aujourd'hui, on va voir ensemble combien coûte réellement le prix d'un site internet et quelles options choisir pour vous lancer. Allez, c'est parti. On y va, c'est parti. €0, €500, €2000, €5000, €15000, voire parfois même plus de €30000. Les prix pour créer ou faire créer un site web sont à géométrie très variable. Parfois c'est légitime et parfois non. Car si vous passez par un prestataire pour faire développer votre site, les tarifs peuvent varier du simple au triple, sans raison significative. Ce genre de prestataire véreux. Figurez-vous que je voulais créer un site pour présenter mes maquettes en allumettes. C'est chien. Mais ils ont essayé de me voler. Évidemment, vous êtes tous les mêmes sur Internet. Tous des cafards. Entre les prestataires qui cassent le marché en proposant des sites à 200 € et ceux qui veulent vous enfler à coût de 5000 €, le site vitrine, un client qui n'y connaît pas grand-chose peut se demander pourquoi les prix fluctuent autant. Alors combien coûte vraiment la création d'un site internet? Déjà, il faut savoir que vous aurez deux options. Payer, donc comme je le disais, un prestataire pour le créer. Mais les prix peuvent varier de quelques centaines d'euros à plusieurs milliers d'euros. Voire même quelques centaines de milliers d'euros. Ou créer votre site par vous-même. Une solution plus économique, mais qui va vous prendre un certain temps. Pour définir un prix, disons correct, intéressons-nous d'abord au temps nécessaire pour créer ce fameux site web. Et prenons l'exemple d'un projet de création de site vitrine sous WordPress. Un site vitrine, pour ceux qui ne savent pas, c'est un site élaboré par les entreprises pour présenter leurs produits ou services et donner la possibilité à leurs visiteurs de les contacter. Et WordPress est un outil qui permet de créer facilement et rapidement un site internet sans avoir besoin de coder, comme par exemple Shopify pour les boutiques e-commerce. Shopify, je connais bien. J'avais lancé ma boutique de casquettes lumineuses pour être millionnaire. Mais j'ai fait qu'une seule vente. Te laisse pas te décourager, gamin. C'est peut-être pas l'idée du siècle. Sûrement pas, d'ailleurs. Mais tu vas rebondir. Écoute la suite. J'ai choisi cet exemple car c'est un type de prestation très commun. Et que c'est majoritairement par WordPress que les personnes créent leur propre site. Bon, cas numéro 1, vous faites appel à un prestataire pour faire réaliser votre site vitrine. Si le prestataire connaît bien son job, il mettra environ 2-3 jours pour créer votre site. Allez, mettons 3 jours. Durant ces 3 jours, voici ce que grosso modo il va mettre en place d'un point de vue technique. Il va héberger votre site et configurer votre nom de domaine. Il va installer et configurer WordPress, le fameux outil de gestion de contenu qui va lui permettre de créer plus rapidement le site. Il va choisir et installer un thème. Car je ne vous l'ai pas dit, mais si WordPress est un outil efficace pour concevoir des sites, c'est parce que les utilisateurs peuvent s'appuyer sur des thèmes, donc des pages préconstruites qu'il n'aura plus qu'à modifier selon les besoins du client et qu'il n'aura donc pas à développer avec du code. Il va élaborer la structure du site web, donc comment le site va être agencé, comment les éléments principaux vont être disposés, mais aussi la création du menu, etc. Il va créer les différentes pages du site, donc principalement la page d'accueil, la page de contact, la page de présentation des services et les pages légales comme les mentions légales ou la politique de confidentialité. Disons qu'un site vitrine, c'est généralement moins de 10 pages et le prestataire intègre le contenu, le texte et les images que lui fournit son client. Il va installer et configurer quelques extensions pour rendre le site plus fonctionnel et performant, comme une extension pour analyser le trafic du site, le référencement ou gérer les redirections par exemple. Il va sécuriser un minimum le site. Et enfin, on peut aussi compter le temps dépensé pour faire des ajustements selon les désirs de son client. Et allez, si on est sympa, on peut espérer que le prestataire optimise un minimum le référencement sur les titres et les méta-descriptions. Ce qui nous fait au final 9 étapes qui prennent environ 3 jours de travail.
et dire qu'elle me demandait des sommes astronomiques pour 3 jours ridicules de travail. 3 jours, alors que je passe des semaines sur mes 6 belles maquettes. T'avais raison, Tonio. Je crois bien que Steven Soul essayait de me rouler avec son offre à 4 529 €. Mais fais-toi de ce vautour, gamin. Il en a capré ton portefeuille. Enfin, plutôt celui de ta mère. Cas numéro 2. Vous créez vous-même votre site vitrine avec WordPress. Si vous n'y connaissez absolument rien dans la matière, comptez déjà le temps où vous allez faire vos recherches. Donc avec des tutos, des articles ou des formations en ligne. Quelqu'un a prononcé la formule magique formation en ligne? Puis vous reproduirez le même schéma avec les 9 étapes que j'ai citées juste avant. Sans formation en ligne, difficile de dire combien de temps vous allez mettre pour concevoir votre site. Avec une bonne formation en ligne, comptez environ 1 à 2 semaines de travail. 1 mois grand max si vous êtes du genre perfectionniste. Restons sur 1 mois. Si on part du principe où vous démarrez vraiment de zéro. Eh bien alors, on n'en profite pas pour faire la promotion de sa petite formation, Mr. l'escroqueur. Revenons à nos prix. Comme je l'ai dit avant, passer par un prestataire peut vous coûter aussi bien 200 € que 5 000 € pour une seule et même prestation. Donc la création d'un site vitrine sous WordPress. 200 € si vous passez par un prestataire qui déglingue les prix du marché, tout simplement pour se lancer et se faire connaître. À ce prix-là, ça lui fait à peine 50 € net la journée si on enlève les charges. Et vous n'êtes pas sûr que le résultat soit au rendez-vous. 5 000 € si vous passez par un escroc. Par un prestataire qui vous appuie un peu trop parce qu'il a vu que vous n'y connaissez rien. Soit un rendement de 800 € net par jour. Et 4 529 € si vous voulez un site qui vous rapporte les pesos de Jeff Bezos. En 3 clics seulement et sans frais supplémentaires. À ce prix-là, on peut généralement espérer un site bien fini. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. D'ailleurs, je vous invite à regarder ma vidéo où je démonte des escrocs qui facturent à prix d'or les sites web. Petit aparté fini, revenons à nos moutons. Ou plutôt tes pigeons. Du coup, je dirais qu'en moyenne, il faut compter environ 1 000 € pour faire développer votre site vitrine de moins de 10 pages, plus un abonnement annuel d'une 100aine d'euros pour l'hébergement et le nom de domaine. C'est un prix moyen jugé comme raisonnable et qui peut vous donner un ordre d'idée. Mais encore une fois, je précise que le prix ne fait pas forcément la qualité pour ce genre de prestation. Comme ta formation, espèce de malotru. T'as au moins goûté avant de dire que c'était pas bon. En revanche, si vous créez votre site par vous-même, il vous reviendra pour environ 100aine d'euros par an. Dans ces 100 €, vous allez devoir compter le prix d'un hébergement web, environ 60 € par an, le prix d'un nom de domaine, d'environ 10 € par an, et le prix éventuel d'une ou deux extensions payantes, quelques dizaines d'euros, mais ce n'est pas du tout obligatoire. D'ailleurs, au passage, petit instant promo, même si cette vidéo n'est pas sponsorisée, si vous recherchez un bon hébergeur web, je vous recommande OdeSwitch avec son offre à 5 € par mois et le nom de domaine gratuit. Je vous mets le lien directement dans la description. Je le savais! Je t'ai enfin démasqué, marketeur de pacotis! Ne l'écoutez pas, il vous prend pour des pigeons. Oh, comme t'as joué le cyclope, tu vas nous faire une syncope. Maintenant que l'on sait combien de temps ça prend pour faire un petit site web vitrine et combien ça peut éventuellement vous coûter, il va falloir vous projeter. En effet, un site vitrine de 10 pages ou une boutique e-commerce de 80 pages avec intégration de dizaines de fonctionnalités, ça ne coûtera évidemment pas le même prix. Plus le site sera complexe, plus il comportera de pages ou de fonctionnalités, comme l'intégration d'un système de paiement ou un système d'automatisation pour gérer les clients ou récupérer des leads, des animations spéciales ou un design unique par exemple, et plus il coûtera cher. Le tout est de ne pas se faire arnaquer par une agence qui vous facturera 15 000 € au lieu de 2 000 € ou de ne pas être trop gourmand en vous disant « je vais le faire tout seul ». La gourmandise est un vilain défaut. Car si le projet est trop complexe, vous avez des chances de foirer votre site et vous prenez le risque qu'il ne voit jamais le jour. Dans ce cas, prenez un prestataire, mais faites attention à bien comparer différents devis en réalisant un appel d'offres. Si vous envisagez de créer votre propre site, que ce soit un simple site vitrine avec WordPress ou une petite boutique en ligne avec Shopify ou WooCommerce, je ne peux que vous inciter à vous former gratuitement ou avec une formation en ligne pour faire des économies et pour avoir 100% la main sur votre site et sans avoir à repasser par un prestataire pour effectuer des modifications ultérieures. C'est génial! J'aimerais bien le faire moi-même, mais je suis pas sûr d'avoir le courage. Bien sûr, si vous ne vous sentez pas le courage de le faire, prenez un prestataire efficace qu'on vous a recommandé. Besoin d'un petit coup de pouce, Jean-Baptiste? Et qui ne vous assassinera pas sur le prix. Sans oublier le fait que eux aussi doivent nourrir leur famille. Hé, hey, moi aussi j'ai des bouches à nourrir. À part te gaver sur le dos des gens, tu nourris pas grand monde, vieux chameau. Tiens d'ailleurs, dites-moi en commentaire ce que vous pensez des tarifs d'un site web. Est-ce que pour vous, 1 000 €, un site vitrine avec WordPress, ça vous paraît cher? On va s'amuser à faire un petit sondage. Si cette vidéo vous a plu et si vous avez appris des choses, n'hésitez pas à me le faire savoir avec un pouce en l'air. C'est mon pouce rouge que tu vas prendre dans ta face.
Mais ferme-la. Et toi qui regardes cette vidéo là, oui toi, t'es pas encore abonné à la chaîne de Braco, alors hésite pas à t'abonner et à me faire fumer cette barre de like. Et en n'oubliant pas la petite clochette. C'était Jordan Braco. Peace. Maintenant qu'il a fini sa propagande, le grand barbu, je vais pouvoir m'occuper de mes petites maquettes. Je vais monter un site et tous vous mettre en position latérale de sécurité. Un petit coup de pouce